Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo news sur Tower of God Emgrid Journée. Très bonne nouvelle, on a un nouvel event, nouvelle mise à jour, plus deux codes à disposition pour nous permettre d'invoquer sur le portail actuel, ou le portail premium. Sur ce, on démarre de suite. Qu'est-ce qu'on a pour cette mise à jour? Vu que, comme vous savez, ce matin même, on a eu une maintenance qui a été assez longue. Et du coup, voilà. Update news. New event. On a un event qui s'appelle Crystal of Shinsu qui se terminera le 10 mai. Toute la monnaie, toutes les ressources qu'on va drop seront échangeables via de la nourriture et des ressources, plus des cristaux invocables. Ça, c'est un bon point. Et ce sont des ressources qui sont également droppables via la tour des trials. On va directement aller voir ça d'ailleurs. Et pendant cette maintenance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, stabilisation des serveurs, stabilisation également par rapport aux déconnexions réseau. Ils ont également fixé et réparé les bugs qui étaient liés. Les bugs qui étaient liés au boss du Tower of Trial. Ils ont ajouté également une option de frame sélection pour qu'on puisse sélectionner basse qualité ou haute qualité. Et également, ils ont ajouté pour le, je sais pas comment je pourrais appeler ça, le screensaver pour que ça puisse manger un minimum de batterie vore, de batterie tout simplement. Au bout de quelques minutes, au bout de 10 minutes d'inactivité. Ils ont également ajouté une fonction d'équipement. Après le reste, vous allez voir par vous-même, mais généralement, ils ont ajouté pas mal de choses et ils ont réparé pas mal de choses concernant les personnages. Ils ont également réparé des bugs liés aux compétences sur certains personnages. Ils ont ajouté un nouveau shop. Et après, le reste, ok, bon. Voilà. Du coup, le code à ajouter pour celui-là, ça sera ça. Bon, premièrement, est-ce que j'ai... Ok. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un petit truc. Voilà le fameux event qui nous permet de drop, d'échanger contre des ressources et tout. Perso légendaire, des invocations, de la bouffe, etc. C'est un bon point. Et là, j'en ai 50. Ce sont des ressources qui seront droppables via. Qui seront droppables via les combats, le mode histoire, Tower of Trial, etc., etc. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, ajouter le code. Voilà la fameuse possibilité de changer la qualité. Pas mal. C'est parti. On ajoute le code. Playtog. Voilà, on va fermer ça. On va faire la petite mutu, on sait jamais, on peut avoir un peu de chance. En sachant que ce matin, j'ai pas eu très de chance sur les invoques. Allez, c'est parti. Ok, il n'y a pas eu de nouveau portail, du coup, tranquille. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ça? Bon, ok, enfin, c'est pas incroyable. Une nouvelle unité, ok. Oh, un doublon sur lui, il me le fallait en plus. Ok, j'ai eu deux persos, c'est pas mal. Du coup, on va aller le monter.
Alors, il est là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Pas si j'aurai le temps de traduire, j'ai plus de batterie sur mon tel, mais je vais traduire ça après dans tous les cas. Mais déjà, il y a un truc de 30%, je pense que c'est par rapport à la deuxième compétence, troisième compétence plutôt. On va aller vérifier ça. Ok. Alors, il est là. Ok, nice, c'est par rapport au shield. C'est par rapport au shield, c'est un bon point. Il faudrait juste que maintenant je l'augmente un peu plus, niveau 10, 11, ça serait pas mal. C'est un très bon point. Alors, d'ailleurs, on va aller le tester. Vu que je stagne sur un certain niveau. On va d'abord tester ça en Tower Trial. Ok. Alors le 35. Voilà, j'ai pas une très bonne compo parce qu'il n'y a pas de tank. Voilà ce que ça va donner. Ah oui, j'ai failli oublier. Je vous mets dans la barre de description, bien sûr, le Discord du jeu. Il sera disponible là-dedans. Et c'est un bon point. C'est un bon point parce qu'ils ont fait une bonne tier list. Je suis réellement. Ils ont fait une bonne analyse. Ils sont en train de traduire les personnages et tout. Et c'est un bon point. Ouais, ça va, c'est un bon point. Bon, par contre, faudra m'expliquer comment, pourquoi ça bug comme ça. Bon, à ce qui paraît, le système, enfin le Tower Trial bug. Du coup, on pourra pas tester. On va aller dans le mode histoire. Du coup, je redémarre le jeu. Pas le choix, bien sûr. Désolé encore. Ce sont les aléas du jeu, hein, des vidéos, hein. Malheureusement, on est obligé de redémarrer. Je suis allé vérifier sur le Discord. Ok, c'est parti. On va éviter de faire le Tower Trial pour le moment parce qu'il bug. Il y a moyen qu'il redémarre une autre maintenance pour régler le problème du Tower of Trial. Parce que là, à l'heure actuelle, il bug énormément. Et c'est injouable. J'espère que les autres modes ne bugueront pas. Je sais pas si je le passe lui. Vu que maintenant, je l'ai T3, le. Enfin. On va dire C3 plutôt, Constellation 3, le. Le petit love. On va voir ce que ça va donner. On change. Alors, il est là. En plus, il passe à 34 000 de puissance. D'ailleurs, c'est quoi? Et il est de quel élément l'autre que je drop? Ah, c'est un pêcheur. Bon. On s'en fout. Pour le moment, c'est la meilleure compo que je puisse avoir. On va voir si j'arrive à passer le 5.9. Déjà, je perds moins de trucs qu'avant. Moins de vie. Il résiste mieux qu'avant, hein. Largement mieux. Et sinon, j'aurais eu la possibilité de trad là. Mais mon tel il est déchargé, c'est dommage.
Ouais, il résiste largement mieux qu'avant, c'est un bon point. On va aller voir sur le boss si il va tenir. Si je vais pouvoir le battre. Parce que j'ai failli le battre hier. Mais j'ai eu vraiment du mal. À lui enlever les trois quarts. Toujours le même problème. Toujours le même problème. Je galère un peu ici à lui enlever le shield. Le problème, c'est qu'il me faut Evan et Evan, sans Evan, jamais je le passerai en fait. En plus, il me faut certaines ressources. On va ouvrir ça, on va voir si on va avoir un peu de chance sur les équipements. Ok. Pas foufou. Ça, on va les garder, on va pas trop les utiliser. Après, j'ai des trucs ici, non? Ok. On va faire un dernier test pour voir si je vais réussir à le passer. Cette fois-ci, je change. Je pense que si je fais ça, en sachant qu'il faut qu'il soit le dernier survivant. En fait, le réel problème, c'est, je dirais que c'est que j'ai pas d'armes de transcendance ou autre, ce qui fait que j'ai du mal à tenir. Alors là, il meurt dès le début. Le 5.9, il est vraiment chaud. Faut vraiment qu'il nerf. Faut vraiment qu'il nerf parce que c'est pas tout le monde qui a des armes ou qui a Evan. On va retester avec une autre d'autres unités. Je vais tester avec avec ce perso pour voir ce que ça va donner. Alors, elle est où? Elle est là, surtout que j'ai eu un doublon sur elle. On va la mettre en arrière, lui je le mets en arrière également. On va charger tout ça là, la compétence. Allez, c'est parti, j'ai cherché la compétence. Je le passe, incroyable. Non, je le passe pas. C'est incroyable. Oh, la RNG, elle est dégueulasse, la RNG. Pourquoi il fallait qu'il balance les missiles maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, la RNG. Oh, dommage. Bon, voilà, c'était juste petite info news, vidéo news. Et voilà, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Ça en est fallu de peu. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Peace, prenez bien soin de vous tout le monde. Ciao.